C'est stupide, hein? Moi, je devrais avoir dit « Oh, non, 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 c'est stupide. » Franchement. Qu'est-ce que vous avez fait, petit boulette? Vous êtes des lâches. Rien que des lâches. Hey, hey, hey! Prends ton siège et reste tranquille. C'est mieux pour toi. Mais je la connais, ces boulettes. Je suis certain qu'elle n'a pas parlé. Je suis certain! Ton nom? C'est Tarzan. Dis ton vrai nom. Si ça vous plaît. On ne répond jamais comme ça ici. François Boudreau. Ton âge? 21 ans. Tu es majeur, donc responsable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis orphelin. À part ça? Rien. Où demeures-tu? Chez mon oncle, quand ça me dit. Pourquoi, quand ça te le dit? Parce que mon oncle et moi, on s'aime pas. Quand je peux aller dormir ailleurs, je le fais. C'est toi, le chef des cinq? Oui, c'est moi. Pourquoi fais-tu la contrebande? Pour vivre. Tu peux pas vivre en travaillant honnêtement? Travailler honnêtement, ça veut rien dire. Je veux vivre mieux que les pauvres, que les caves. Je vois. Tu sais que la contrebande est défendue? Je me fiche des lois. Ce sont les lois qui sont faites pour tout le monde, mon garçon. Pas pour moi. C'est tout pour toi. Non, monsieur. Et pourquoi pas pour toi, comme pour les autres? J'ai mes raisons. Tu veux les dire? Ça peut pas vous intéresser. Comme tu voudras, je suis ici à t'entendre, moi. Mais vous pourriez pas comprendre. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour faire parler. Et quand vous avez réussi à tout savoir, vous êtes bien content. Vous vous calez dans votre chaise et vous gueulez les ordres. Vous pourriez pas comprendre. C'est bon, je t'ai tendu. Tu aurais pu te défendre, mais... Je suis pas venu ici pour me défendre et j'y tiens pas. Parfait, tu le regretteras. Peut-être maintenant... Récapitulons, sur les 4e ont passé ici, les 3 autres ont parlé. C'est grâce à eux qu'on a pas mal de choses. Vous êtes 5 jeunes contrebandiers et vous faites la contrebande pour sortir de vos conditions. Les cigarettes, nous l'avons appris par la petite. On vous les livrait à vos hangars. Là, vous remplissez les commandes et vous les potiez à vos clients. C'est trois probablement qui dirigeaient les affaires. Pour nous maintenant, tout cela est clair. Il nous manque un seul petit détail. Les autres n'ont pas pu nous renseigner parce qu'ils ne savaient pas. Mais toi, tu vas nous le dire étant donné que tu es le chef. Faites-vous pas d'illusions. Vous ne réussirez jamais à me faire parler. Tous les voleurs et les criminels disent la même chose. Pourtant, ils finissent toujours par faiblir. Connaît de très bons moyens pour faire parler. Tu sais, avec toi, on peut tous les employer. Dans les films de détective aussi, ils commencent par faire peur. Mais si l'accusé est fort, si c'est pas un enfant, il se tait jusqu'au bout et c'est la police qui frappe un nœud. C'est vrai. Mais le cinéma et la vie, c'est deux différentes choses. Ici, tu n'es pas au cinéma. Tu es dans la vie et tu n'as aucune chance. Je compte pas sur la chance. Je compte sur moi tout seul. Ça suffit. C'est toi qui entraînes les autres dans cette histoire, hein? J'ai forcé personne. On savait tous les cinq, franchement. Et on savait qu'on faisait. Ça te donne pas de remords de voir que vous êtes pris maintenant? Ça me donne encore remords. Quand on est un homme, on regrette pas qu'on fait. Même si on manque son coup. Même si tu as perverti un petit de 16 ans. Je ne l'ai pas perverti. Ciboulette nous vaut tout. C'est même la plus dure, la plus vraie, la plus sincère des cinq. Elle vous vaut bien des fois, monsieur. Hey! Lassez les deux. Tu as raison. Ciboulette est une petite fille dure et sincère. Mais sais-tu qu'elle a eu peur tout à l'heure? Sais-tu qu'elle tremblait et que si ses forces lui avaient pas manqué? Elle aurait probablement tout dit. C'est pas vrai! Mais oui, c'est vrai. Tu peux me croire. J'étais là, moi. Où te trouvais-tu cet après-midi? Je sais pas. Quelque part en ville. Tu peux préciser?
T'aurais pas marché à côté des douanes, par hasard? Pour faire quoi? Pour prendre l'air, peut-être. L'après-midi, quelqu'un t'a vu dans la ville? Oui, beaucoup de gens. Qui? Tous ceux que j'ai rencontrés dans la rue. Tu peux nommer personne? Vous imaginez-vous que j'ai pris la liste des noms? Et ton revolver? Où l'as-tu caché? Le sergent t'a fouillé, il n'a rien trouvé. Je n'avais pas de revolver. Hein, je te crois pas. Je t'ai vu avec un revolver quand je t'ai rendu ma première visite ce soir. Je n'avais pas de revolver. J'ai fait un geste pour vous faire peur et vous avez mordu. Un douanier a été tué au cours de la journée. Ça te dit quelque chose? Non. Et ça, c'est la fin de notre histoire avec Tarzan, le chef et le doux. Je suis certain que j'ai là. Ah non, je ne peux pas parler. Je suis. C'est là! Ton nom! Hé, on m'a fait.